بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Sourate Talaq, par laquelle finit cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quoi? Des injonctions. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comment il faut faire. Si tu dois, ya ayyuhan nabiyyu, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyana. Ne les sortez pas de chez elles. Et si vous déclarez que vous êtes divorcé avec elles, alors, il faut qu'elles attendent un délai de viduité. De combien? De 3 mois. Ok. Wa ahsul idda. Et comptez. Tu as décidé aujourd'hui, tu comptes. La tadri la alallah et tu ne la sors pas de chez elle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une certaine injonction. Et puis, parmi les injonctions, Allah subhanahu wa ta'ala dit askinuhunna min haythu sakantum min wijdikum. Il faut qu'elles habitent dans le même appartement que toi, dans la même maison que toi. Wa la tudarruhunna litudhayyiqu alayhim. Il ne prend pas une deuxième épouse juste pour lui serrer la vie. Et si elles sont enceintes, dépensez pour elles jusqu'à ce qu'elles déposent leur bébé, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et si elles décident d'allaiter le bébé alors que toi tu vas divorcer, tu lui donnes une pension alimentaire. Tu lui donnes une pension alimentaire. Le Coran est descendu au 7e siècle, les frères. Allah subhanahu wa ta'ala au 7e siècle nous dit, si tu divorces d'une femme et qu'elle allaite ton bébé, tu lui donnes une pension alimentaire. Quand les gens aujourd'hui sont obnubilés par ce qui se passe dans les sociétés, par exemple occidentales, en disant, regardez, il y a la pension, il y a l'allocation familiale. Le Coran, il a instauré ça au 7e siècle, les frères. Au 7e siècle, il a instauré ça. Okay? Quand il nous a donné ces injonctions, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ça, à la fin, il nous dit, attention. Attention, si vous ne faites pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les 7 yeux. Parce que l'ulama a dit l'ibadat mu'allalatun bi masalih al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne une injonction, c'est pas bien pour lui, c'est bien pour nous. Nous on a l'impression que c'est lourd, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala te dit as-salatu tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar. As-salat, la prière, c'est un bouclier contre les turpitudes et contre les mauvaises œuvres. Quand tu fais la prière, quand tu as fait l'asr, le maghrib 2 heures ou 3 heures après, tu ne peux pas aller faire n'importe quoi. Tu as un rendez-vous avec Allah. Tu ne peux pas. Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Shafi'i dit Al-ibadat mu'allalatun bi masalih al-khalqi. Les adorations, beaucoup d'entre nous, je vous ai dit, les frères, on pense que la religion, c'est un rituel. Tu viens à la mosquée, tu fais ta prière, tu montes et tu descends, et après, voilà, tu as fait ta religion. Ce n'est pas ça la religion, les frères. Ce n'est pas du tout ça la religion. On avait dit l'explication, si vous vous souvenez, التفسير الأصولي للدين أن الدين هو كل علاقة تربط العبد بربه وتربط العبد بسائر الخلق. C'est la relation entre l'être humain et son créateur et l'être humain et les autres créatures. Autrement dit, ta relation avec Allah, c'est la religion, mais ta relation avec les arbres, ta relation avec la mer, ta relation avec tes voisins, ta relation avec tes parents, avec tes amis, avec tes employés, avec ton patron, tout ça, c'est dire. C'est pas seulement le salat. Ou le salat ou l'ibadat mu'allalatun bimasalih al-khalqi. Donc l'ibadat, elles sont liées quoi? À tes intérêts, à toi. Qala l'ulama, chouf Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit dans le Coran. Khud min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud min wasalli alayhim, inna salataka sakanun lahum. Wasalli alayhim. Prends mes amoualis, regardez, prends de leur argent, une aumône. Prends mes amoualis, une aumône. Totahirom, tu les purifies. Ou tu zakihim bien. Je ne sais pas, c'est ce qu'il y a. Vous savez ce que c'est en arabe?
c'est ce qu'il y a de la main, c'est le développement. Comment tu purifies quelqu'un en lui envoie un peu d'argent en aumône? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu enlèves l'aumône, tu enlèves le zakat, le riche, tu enlèves du riche, tu lui enlèves un peu d'argent, tu la donnes au pauvre. Tu purifies le riche de quoi? De son avarice, de son avidité, de son orgueil. Et tu vérifies, et tu purifies le pauvre de quoi? De sa jalousie, de son envie, de sa colère. Subhanallah, regardez. Tu fais pas les choses comme ça, sans comprendre pourquoi tu les fais. Et tu accordes beaucoup plus d'importance au gestuel, sans comprendre le sens profond pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire. Prends la salat, tarbit au kabillah. La salat, quand toi tu sais pas, Allah subhanahu wa ta'ala sait. Pourquoi? Tu t'es lié au monde invisible. Tu t'es lié à Allah subhanahu wa ta'ala, les huwas déjà invisibles. Il met en toi une sérénité que toi tu vois pas. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il se lie. Il se lie à qui? Au créateur de l'univers. On va voir le créateur de l'univers. On va voir. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne des injonctions. Il nous parle de secret. Okay? Il nous parle de se liguer contre le prophète, tout ça. Il nous donne des injonctions. Il dit, si vous ne respectez pas ça, si vous respectez les injonctions, vous ne respectez pas les injonctions que je vous donne, si vous ne respectez pas ce que je vous donne comme information, comme ce que vous devez faire, parce que ça c'est pour vous. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux et cette terre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est omnipotent, il peut tout faire, il est omniscient, il sait tout. Je vous donne un exemple, les frères. Quelqu'un qui a son permis, qui conduit une voiture, il arrive devant un feu rouge. Regardez bien, il arrive devant un feu rouge. Devant le feu rouge, il y a un policier. 5 mètres plus loin, il y a un motard, sa moto, et puis il y a la voiture de la police ici. Est-ce qu'il va griller le feu? Ça, on rigole. On rigole, il ne va pas griller le feu. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es à Marseille, ou à Arles, ou à Paris, ou à Dubaï, ou à Los Angeles, ou à Las Vegas, Allah il te voit. Là où tu es, Allah il te voit. Ok? Donc le policier que toi tu crains parce que juste il est devant la plaque, Allah il est partout avec nous. Donc comment tu peux faire? C'est ce que nous dit Allah. Comment tu peux faire? Quand tu es avec les frères, mashallah, tu fais le pieux et tout, et tu baisses ta tête. Et dès que tu es chez toi, là tu es à Paris, ou là tu es je ne sais pas où, hein, tu ne crains plus rien. Allah, il est partout. Mais on va vous montrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Sanurihim ayatina ».« Sanurihim ayatina ».